Bonsoir, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Studio Lacan. Ce soir, dans un studio dans le monde, nous nous intéresserons au phénomène du crush chez les adolescents et jeunes adultes en compagnie de notre invitée Christine Tétré. Puis, la rubrique L'écho de la culture accueillera Daniela Fernandez qui nous parlera d'une pièce de Lola Arias. Enfin, nous accueillerons pour l'actualité de la psychanalyse Emmanuel Chaminant-Edelstein, qui commentera deux courts extraits de la préface à l'éveil du printemps, écrite par Lacan en 1974. Le Divan dans le Monde va s'intéresser ce soir au phénomène contemporain du crush, principalement présent chez les adolescents, âge où la question de l'amour et du désir se pose, disons, de manière réelle. Ce terme de crush, utilisé par les jeunes, recouvre beaucoup de choses, comporte beaucoup de significations, vient nommer différents ressentis. Aussi, nous devons le prendre au sérieux. Et pour cela, il faut arriver à le comprendre, à le saisir, à le décrypter. Pour nous aider, nous avons invité Christine Détré, que nous remercions d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Christine Détré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et écrivaine, professeure de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et chercheuse au Centre Max Weber. Votre dernier ouvrage, paru très récemment chez Flammarion, propose justement de percer le mystère du crush. Votre travail de chercheuse vous a amené à enquêter en vous appuyant sur de nombreux témoignages d'adolescents et de jeunes adultes. Depuis lesquels ces témoignages, vous avez construit votre réflexion. Alors, pour commencer notre conversation, pouvons-nous revenir sur ce signifiant crush? D'où vient-il et quelle signification au pluriel lui donnez-vous? Alors, c'est une première question qui pourrait sembler toute simple, donner une définition d'un mot sur lequel on a écrit 200 pages et qui en fait est bien plus compliqué. Et un mot comme ça, en fait, moi, l'intérêt que j'avais pour ce mot était peut-être moins de donner une signification, alors vous avez bien dit, il y a des significations, que de réfléchir, on pourrait dire, à sa valeur d'usage. Voilà, à quoi sert ce mot et qu'est-ce qu'il vient nous dire, effectivement, des émois contemporains des adolescentes et adolescents, de leur permanence par rapport à ce que nous, moi en tout cas, dans la génération précédente, j'ai pu connaître, et les évolutions. Si on essaye néanmoins, voilà, de partir d'une définition un peu de travail sur laquelle les adolescentes et adolescents semblaient d'accord au début de l'entretien, et puis au fur et à mesure des heures, voire deux heures d'entretien, la définition évoluait. On pourrait dire que le crush, ça représenterait une attirance qui a vocation à rester cachée. C'est-à-dire qu'au début, je pense même que dans le livre, j'écris une attirance qui a vocation à rester secrète. Et je pense que pour être plus précise, c'est attirance qui a vocation à rester cachée de la personne pour laquelle on éprouve cette attirance. Parce qu'elle n'est pas... Enfin, mon repentir entre secrète et cachée, c'est parce qu'elle n'est absolument pas secrète. On va en parler beaucoup, 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 beaucoup avec les copines, avec quelques copains, mais pas à la personne concernée. Et souvent, on en parle d'ailleurs, mais pas tout de suite non plus. Oui, et pour votre première partie de question, c'était d'où ça vient,
C'est un mot qui, effectivement, voilà, ce qui m'a intriguée, quand on est sociologue, mais je pense que quand on est chercheur en général, ce qui nous met en branle, c'est une interrogation, une énigme, voilà, quelque chose qui vient nous titiller quelque part. Et moi, c'était ce mot que d'un coup, je voyais partout et que je n'avais absolument pas connu dans ma jeunesse. Et donc, si on regarde un peu d'où ce mot vient, en France, en tout cas, il est vraiment utilisé par les ados. Alors, je dis ados au sens large, hein, c'est collégien, lycéen, depuis une dizaine d'années. Alors que c'est un mot qui, aux États-Unis, existe depuis plus d'un siècle, en fait. Donc, il y avait ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une jeunesse française, en l'occurrence, s'empare d'un mot qui, déjà, circule dans la pop culture américaine depuis plus d'un siècle? Alors, ce mot donc qui est associé à un certain ressenti, il se différencie justement d'autres termes qui ont pu être utilisés par le passé, comme ceux de flirt, de coup de cœur, de coup de foudre. À votre avis, est-ce que chaque époque finalement a ses propres expressions pour désigner ce petit moment voilà d'énamoration de l'adolescence ou ses découvertes, ou est-ce que chacun de ces termes nomme à chaque fois quelque chose de différent, de plus ou moins sensuel, charnel ou autre? Exactement, enfin vous pointez exactement mon énigme de départ. En fait, effectivement, à voir arriver ce mot, ma question, ça a été de me dire, est-ce que là, j'ai juste un mot qui me dit l'époque. Annie Ernaux, voilà, la grande romancière prix Nobel, dans toute son œuvre, elle parle de ces mots qui incluent une époque. À un moment, on dit voiture et il y a 50 ans, on disait auto. Bon, auto-voiture, a priori, c'est la même chose. Et donc, est-ce que c'est un mot pour dire la même chose, parce que les jeunes ne doivent pas parler comme leurs parents et c'est tout à fait normal? Ou est-ce que le mot nous dit, enfin, est là un nouveau mot parce que c'est un nouveau sentiment? Et là, je pensais à voilà, des choses qui ont été déjà vues, par exemple, sur les couleurs ou sur justement les émotions. Voir que dans certaines langues, existent des mots pour désigner des émotions. Par exemple, en allemand, on a un mot pour dire cette tristesse qu'on éprouve quand arrive le printemps. Et c'est un mot allemand, comme les Allemands composent leur mot valise. Nous, en France, on n'a pas de mot, en fait, pour dire la tristesse. Ça arrive à l'hiver. Exactement. Donc, est-ce que les Français ressentent cette tristesse quand arrive le printemps que les Allemands, visiblement, ressentent? Donc, j'avais cette même interrogation sur crush. Est-ce que c'est un synonyme de flirt, de béguin, de flasher, de craquer? Ou est-ce que le nouveau mot nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette nouvelle génération? Oui, parce que le terme de flirt, c'est plutôt un terme aussi des années plutôt 50, 60, oui. Enfin, du 20e siècle. Alors, mais par rapport à d'autres termes, justement, qu'on pouvait utiliser, au Moyen-Âge, on parlait de l'amour courtois, au 18e, on parlait de libertinage, de marivaudage, excusez-moi. Au 19e, c'était plutôt le romantisme. Comment on peut dissocier justement ce terme et puis aussi ce que ça vient signifier par rapport aux anciens, à ces anciens termes? Exactement. Donc ça, c'est vraiment une démarche de sciences sociales. Et moi, je m'inspire beaucoup de toute cette nouvelle mouvance d'histoire endossée, assumée par des historiens et historiennes de la sensibilité. Et dire qu'on est en histoire des sensibilités, ça permet justement de dire qu'une émotion, un sentiment, on doit le contextualiser. Et effectivement, le marivaudage n'a sans doute rien à voir avec le libertinage, il n'a rien à voir avec le flirt, et il n'a pas grand-chose à voir avec le crush. Parce qu'il faut justement contextualiser quels sont les rapports entre hommes et femmes à l'époque, qu'est-ce qui est permis par la morale, etc. Si on regarde, par exemple, tout à l'heure, on parlait de flirt. Flirt, effectivement, on se souvient des yéyés des années 60 avec les chansons « Salut les copains », etc. En fait, il y a une historienne du flirt, pour le coup, qui s'appelle Fabienne Castarozas, qui fait toute une histoire du flirt pour montrer que flirt, ça a un siècle. Enfin, l'utilisation du mot flirt en France court de la fin du 19e siècle jusqu'aux années, effectivement, 70. Et elle montre que le même mot va... Donc là, on n'est même pas sur des mots différents. C'est un même mot qui va prendre une signification différente. Ça parle de conte et fleurette, non? Oui, exactement. Et d'ailleurs, crush, une étymologie, le rapproche aussi d'un verbe d'ancien français, croisir, qui, comme conte et fleurette, part aux États-Unis. Conte et fleurette devient flirt, croisir devient crush, et ça revient chez nous par les produits culturels. Et flirt, cette historienne, montre que effectivement
toute l'histoire du flirt, et c'est là que vous allez voir le parallèle avec Crush, toute l'histoire du flirt et l'histoire d'un rapprochement des corps. Au début, elle explique que, et d'où l'importance de contextualiser, elle rappelle, fin 19e, rappelons ce que c'est qu'être une jeune femme de bonne société, une jeune fille de bonne société, vous n'avez pas le droit de regarder un jeune homme dans les yeux. Vous devez regarder son épaule parce que les, ne serait-ce que deux regards qui se croisent, vous mettez en péril votre réputation si vous êtes une jeune femme. Et donc, elle montre que flirt, ça va être d'abord, croiser un regard, faire des petites phrases avec des sous-entendus, et puis après, effleurer une cheville sous une longue robe, effleurer, enfin, ça, on le trouve, par exemple... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a à la fois la dimension du regard, oui, et la dimension de la parole. Il semblerait qu'effectivement, qu'avec le crush, nous ne soyons pas dans ce registre. Exactement, et c'est d'où le parallèle, à la fois la comparaison et la différence. Donc, flirt, on rapproche les corps, et ça s'arrête justement dans les années 60, où on va aller au cinéma se tenant la main. Enfin, voilà, dans le livre, je cite la très connue chanson de Françoise Hardy, « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent, etc. » Donc, on va aller en boum, on va aller au cinéma, on va se tenir par la main, on va s'embrasser, on va se caresser, mais pas de rapport sexuel parce que on n'a pas encore la contraception. Et crush, au contraire, justement, et c'est ça où ça m'a vraiment interloqué quelque part, on n'a plus de corps. C'est-à-dire que ça va être, quand je disais, ça doit rester caché, la personne même pour qui on éprouve le crush, alors contrairement au flirt de nos parents ou nos grands-parents, n'est pas au courant, en fait. Donc, elle n'est pas au courant et tout va se passer dans les conversations avec les copines, les hypothèses, l'imagination, les fantasmes, les réseaux sociaux, mais dans une sorte d'intimité, extimité, quelque part. Ça prend quand même un peu à contre-pied beaucoup de discours sur notre époque, justement, oui, qui suit la libération sexuelle, oui, et qui est aujourd'hui quelque chose qui est complètement quand même que les jeunes générations s'approprient. Oui. Et là, c'est un phénomène qui contraste, justement. Tout à fait. Qui vient dans le secret, qui vient dans la pudeur, dans le... Oui. Et qui, alors, il y a à la fois, je pense, une question d'âge, hein, c'est-à-dire que ceux et celles qui... pratique le crush, je vais pas dire à outrance parce qu'on a l'impression d'un jugement normatif, mais voilà, qui vont être dans cette pratique du crush, c'est beaucoup de collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes. Mais ce que vous dites est vraiment extrêmement important parce que j'ai voulu justement faire des entretiens avec des jeunes hommes et des jeunes femmes et beaucoup, donc voilà, 24, 25 ans, 26 ans, et certains, même beaucoup parmi ceux que j'ai interrogés, m'ont parlé du crush en opposition avec les applications de rencontres. Et c'est vrai que récemment, on voit beaucoup d'articles sur ce qui est appelé la dating fatigue, le dating burnout, cette lassitude, en fait, face à l'application de rencontre. Une contre-réaction, oui, au exactement. Développement des applications de rencontre. Exactement. À cette facilité, un jeune homme que j'interroge, hein, que je cite longuement dans le livre, Mehdi, dit, mais moi, à un moment, avoir quelqu'un dans mon lit... et puis pas savoir, alors bon quand même ils savent comment ils s'appellent, mais pas savoir quels sont ses goûts, pas avoir discuté avant, ras-le-bol en fait. Il y a un aspect consommation, oui, et le crush au contraire réintroduit finalement tout ce qui est la dimension du désir, de l'inaccessible de l'autre. Exactement, alors c'est exactement ce qu'ils disent. Alors le rapport à la consommation il est un peu ambigu et c'est ça qui est compliqué avec crush, et d'ailleurs le même Mehdi que je citais tout à l'heure me dit, c'est une façon de définir l'indéfinissable, et parfois dans les entretiens, j'avais l'impression que quelqu'un me disait le crush, c'est l'anti-consommation, et après je faisais un entretien avec quelqu'un d'autre qui me disait non, mais le crush, c'est la consommation, parce que t'as un crush et puis deux mois après t'en as un autre en fait. Mais je pense que vraiment cette dimension, effectivement, arrêter de consommer effectivement les corps comme des marchandises, ça arrivait beaucoup, avec une sorte de retour. Ce que dit Mehdi, c'est ça me permet le romantisme. Il me dit la différence avec un plan cul, ça va être que avec le crush je vais pouvoir rêver d'aller au restaurant, etc., de partir en voyage, etc. Donc il y a, oui, il y a toute la dimension de la rêverie, oui, sur laquelle on reviendra sûrement. Oui. Juste aussi, pour encore revenir sur ce signifiant crush et sa spécificité, je vous cite dans le livre, vous nous dites qu'il désigne tout aussi bien une personne que ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent, c'est ce moment un peu flou d'avant le sentiment. Mmh.
Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est à la fois, effectivement, on peut dire « j'ai un crush pour telle personne », et on peut dire aussi que cette personne est mon crush. Exactement. Donc c'est à la fois le registre de l'être et le registre de l'avoir. Et puis, comme vous dites, ça vient un peu nommer quelque chose d'indéfinissable, qui est ce moment un peu flou d'avant le sentiment. Oui. Si vous pouvez juste revenir le... Il y a même une trilogie, parce qu'il y a « j'ai un crush », c'est mon ou ma crush, et il y a aussi le verbe crusher, qui montre aussi que crusher, c'est un ensemble de pratiques. C'est pas, donc être avant le sentiment, c'est, parce que, voilà, effectivement, je leur disais, mais est-ce que c'est de l'amour? Ah non, c'est pas de l'amour. C'est juste un crush. Et souvent, crush, ça va avec cette phrase, c'est juste un crush. Comme s'il fallait minimiser ce qu'on est en train de ressentir. Quand tout à l'heure, je parlais d'attirance, ils me disent, alors surtout les jeunes filles, hein, de collège, lycée, elles me disent, quand il y a un garçon qui est frais, voilà, et il est frais, donc ça veut dire il est beau en fait, il est frais, là je vais avoir un crush. Mais c'est pas assez fort, pas assez profond pour que je puisse mettre le mot sentiment. Donc on entend que ça pose aussi une certaine limite ou une certaine défense, ce terme, en ajoutant juste un crush. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause dans cette conversation passionnante et on va se retrouver dans un moment après notre rubrique « Écho dans la culture ». Bonjour Daniela, tu vas nous parler donc du théâtre documentaire de Lola Arias, écrivaine et metteur en scène argentine, qui vient de remporter le prix Ibsen. Alors pour ne pas spoiler sa nouvelle pièce qui sera jouée cet été au Festival d'Avignon, tu vas nous parler d'une autre pièce intitulée « Chant de mine ». Oui. Ce qui m'intéresse, c'est le dispositif inventé par Lola Arias. Dans son processus créatif, elle prend toujours comme point de départ un fait historique. Ici, elle a choisi la guerre des Malvinas, qui a opposé l'Argentine à la Grande-Bretagne en 1982. Après, vient l'étape du casting, où elle sélectionne des anciens ennemis qui ont participé à ce fait historique. Dans cette pièce, ce sont 6 vétérans de guerre, 3 Argentins et 3 Britanniques. À partir d'un premier recueil de souvenirs des vétérans, elle écrit un texte. Ensuite, démarre une série de répétitions où les vétérans commencent à représenter leurs souvenirs de guerre avec leur corps. Mais Lola Arias puise aussi dans le matériel d'archives. D'une part, dans les archives personnelles de chaque vétéran, il s'agit d'objets rapportés du front, des lettres, des photos, mais aussi dans les archives officielles, comme la représentation de cette guerre dans les médias. De ce long processus de création, 5 ans pour cette pièce, Chant de mine, est née la pièce qu'on connaît, dans laquelle les histoires des uns et des autres vont alterner, s'entrecroiser, s'emboîter. Ensemble, ils vont reconstruire une histoire pleine de trous, d'images manquantes, de contradictions, que Lola Arias ne cherche d'ailleurs surtout pas à ravauder. Les vétérans ne sont pas des acteurs, et ça se voit. Malgré cela, des spectateurs sont parfois restés à la fin de la pièce pour aller leur demander s'ils étaient vraiment des vétérans. Donc la ligne entre réalité et fiction est légèrement brouillée. C'est sûr qu'il y a une prétention réaliste dans les choix de faire monter sur scène des vrais vétérans, mais ça reste du réalisme théâtral. Par exemple, les vétérans représentent leurs souvenirs en se servant d'une maquette et des soldats miniatures ou en mimant qu'ils tirent, mais sans armes, sans uniforme, ni aucune scénographie. À force de représenter leurs souvenirs autant de fois et dans différentes salles de théâtre du monde, ces vétérans deviennent des performers et leurs souvenirs des fictions.
une distance est introduite entre le vétéran et son vécu. Il y a quand même des instants phares où la pièce fait passer quelque chose d'authentique, comme les souvenirs d'un Anglais qui vient de tirer sur un soldat argentin qui tombe à terre et se met à lui parler en anglais. L'anglais, qui est soudain happé par la rencontre avec sa propre langue chez l'ennemi, s'approche de l'argentin, le prend dans ses bras et ce dernier va s'y laisser mourir. Ce souvenir est représenté plusieurs fois dans la pièce par le vétéran qui reste toujours troublé, même 35 années plus tard. Il faut dire qu'à la fin de la guerre, ce même vétéran avait participé d'un documentaire de la BBC de Londres où on le voyait tout jeune, en pleurs, dans son uniforme, raconter ses mêmes souvenirs. Alors, qu'est-ce que ça donne de réunir des anciens ennemis? Les dispositifs créent un terrain neutre, qui est le théâtre, où des anciens ennemis peuvent se rencontrer pour raconter une histoire avec des perspectives différentes. Mais le fait de se retrouver ensemble sur scène ne signifie pas pour autant qu'ils sont d'accord. Lola Arias se garde bien de recouvrir la disharmonie qui respire dans toute la pièce. Aucun des vétérans ne parle la langue de l'ennemi. Les Anglais ne parlent pas espagnol, les Argentins ne parlent pas anglais. La différence des langues fait d'ailleurs partie du conflit. La pièce rend visible le problème de traduction. On ne fait pas comme si tout le monde se comprenait. Tout au long de la pièce, les Anglais appellent les îles en dispute Falklands, tandis que les Argentins les appellent Malvinas. Une tension se manifeste aussi lorsqu'ils discutent de la souveraineté des îles. La pièce ne cherche pas à résoudre ce conflit qui reste toujours d'actualité. À Buenos Aires, dans le public, apparaît souvent des vétérans avec des pancartes sur lesquelles on peut lire « Las Malvinas son argentinas ». Merci beaucoup Daniela Fernandez pour cet éclairage donc, sur le travail de Lola Arias qui donne un peu en effet envie de le découvrir. Maintenant reprenons notre échange avec Christine Détré. Donc ce phénomène du crush dont nous parlons est indissociable de l'essor des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont, dites-vous, le support essentiel de cette forme de relation. Pourriez-vous développer un petit peu ce point ? Oui, alors c'est effectivement crucial d'aborder les réseaux sociaux. Alors, je le disais tout à l'heure, si le mot existe depuis plus d'un siècle aux États-Unis, s'il arrive en France, c'est par les réseaux sociaux. Et effectivement, les adolescents, quand je leur dis mais voilà, quand l'as-tu entendu pour la première fois, ils me disent bah voilà, sur les réseaux sociaux. Donc déjà, c'est l'entrée en fait. Alors effectivement, il existait dans des chansons. Moi, je me souviens de la fameuse chanson de Jennifer Page en 98 où déjà on a le mot crush. Mais ça s'était pas répandu avec une telle force et là ça montre la force de frappe effectivement des réseaux sociaux pour infuser une culture juvénile. L'autre élément, bien évidemment, d'articulation du crush et du numérique, c'est les réseaux sociaux comme immense terrain d'enquête. C'est la traque. Alors, traque, le mot est fort, hein, mais je le dis en connaissance de cause. Donc, plutôt des jeunes filles vont me dire, mais nous, on va passer des heures et des heures et des heures à aller, effectivement, stalker sur les réseaux sociaux, chercher sur les réseaux sociaux ces informations sur ces crushs que parfois elles ne connaissent pas, à qui elles n'osent pas parler, ou, et ça c'est intéressant, à qui elles vont parler différemment quand elles sont en DM, donc en messagerie privée, que quand elles sont dans la cour de récréation. Donc c'est à la fois ce qui a permis au crush d'arriver dans notre culture adolescente, c'est le terrain de déploiement. Et il y a même un jeune homme qui me dit, mais moi je me demande si les algorithmes ne suscitent pas le crush. Alors je lui demande pourquoi, enfin voilà, c'est quand même très fort. Et il me dit, sur Instagram, quand je vais regarder une story, donc
ou le compte de quelqu'un, l'algorithme va faire, s'aperçoit que je suis intéressée par cette personne-là, et donc va toujours mettre le compte en question en premier. Et donc, son hypothèse, c'est que non seulement les réseaux sont le terrain de jeu, d'enquête, etc., mais produisent aussi les crushs en mettant en avant de la même façon que quelqu'un, il y a des jeunes filles hein, qui plutôt des collégiennes qui disent oui moi j'avais pas de crush et puis une telle copine m'a dit mais si t'es en crush sur telle personne, et là lui dit c'est les algorithmes qui ont aussi cet effet là. Alors je crois que Daniela, tu voulais peut-être intervenir concernant cette histoire du stalkage. Oui, peut-être pourriez-vous dire un peu plus sur cette pratique qui consiste à stalker les partenaires sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à réduire le mystère du partenaire à quelque chose de l'ordre du visible. Et je crois que vous dites que c'est beaucoup plus pressant, selon vos recherches, chez les jeunes femmes plutôt que chez les garçons. Oui, c'est vraiment les jeunes femmes qui me racontent ça. C'est un peu la différence, parce qu'encore, tout à l'heure, on pouvait dire est-ce que c'est pas le béguin, est-ce que c'est pas le coup de cœur, enfin, voilà, des synonymes. Et je pense que ça, c'est une très grande différence avec ce que nous, on a pu vivre. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas le numérique, on n'avait pas les réseaux sociaux. Et ce qu'elle me raconte, c'est la possibilité, en fait, de savoir énormément de choses sur la personne sans avoir à demander. Nous, effectivement, qu'est-ce qu'on faisait ? On essayait de trouver un ami ou une amie commune et puis on posait quelques questions. Là, on a des arborescences où, donc elle me raconte, identifier donc le compte de la personne, et là, à partir de là, on peut savoir quels sont ses goûts. Et si on peut savoir quels sont ses goûts, on peut adopter les goûts en se disant que la prochaine fois qu'on va peut-être rencontrer la personne, on pourra faire semblant d'être fan du même groupe, et j'invente pas, c'est vraiment des choses qui arrivent dans les entretiens. Ou bien, par exemple, il y en a une qui me dit, je regarde si il s'abonne pas à des nouvelles filles. Donc ça alimente aussi la jalousie, et c'est sans fin en fait. Et c'est ce côté sans fin qui pour moi est extrêmement important, parce que ça occupe du temps et ça occupe aussi beaucoup d'espace mental en fait. Donc il y a la dimension du visible, en effet, parce que Instagram, ce sont des images, mais on entend aussi qu'il y a la dimension du lisible, c'est-à-dire une espèce d'enquête pour savoir qui est l'autre. Oui. Il y a le flash du crush, et en fait, les réseaux sociaux permettent aussi d'aller trouver des petits savoirs sur qui est l'autre. D'aller trouver énormément de savoirs. Alors, c'est pas quelque chose qui est spécifique au crush ni aux jeunes gens. On a souvent des alertes disant aux jeunes gens, n'oubliez pas que tout reste en fait dans le numérique. On a parfois des articles sur n'oubliez pas que quand vous chercherez un emploi, l'employeur peut aller chercher vos souvenirs, et puis telle fête où vous étiez complètement débraillé, etc., aviné, il y a encore les photos en fait, et le numérique n'efface rien. Donc effectivement, on peut avoir beaucoup de choses en fait, juste en allant chercher le compte de quelqu'un. Et par cette arborescence dont je parlais, parce que du coup, vous pouvez regarder qui a liké, qui s'est mis comme ami, est-ce qu'il a liké telle personne, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut... on parle d'une toile quand on parle du numérique, et je trouve que la métaphore elle est très très forte. Une toile, ça peut continuer et être tissée sans fin. Donc, ce que vous dites là, à vous écouter, c'est que ça comporte quand même un certain nombre de risques. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Outre le fait aussi que c'est le symptôme d'un certain nombre de choses, peut-être aussi, on pourrait dire, une sorte de déficit ou de carence concernant le fantasme, ou plutôt du côté de fantasmagorie en tout cas, et qu'il s'agit en quelque sorte de réinjecter du fantasme, pas version sexuelle, mais plutôt romantisme, à travers ce recours. Alors, des risques, en sociologie, on essaye toujours de garder la part des choses, et pour beaucoup, pour la majorité quand même des ados que j'ai interrogés, des jeunes filles que j'ai interrogées, c'est une pratique culturelle comme une autre. Alors moi, ça me dit plus, pas tant des risques qu'elles courent, des risques que les risques que nous... que font courir toujours aux jeunes filles d'aujourd'hui les stéréotypes de genre, une société qui fait qu'une jeune fille, si elle est une jeune fille digne de ce nom, doit être intéressée par la romance, etc. Ça change pas. En revanche, effectivement, je vous rejoins sur ce point où moi, j'ai fait quelques entretiens avec des jeunes femmes, et ça, c'est vraiment une piste que je voudrais creuser actuellement dans mes travaux à venir. Donc, des jeunes femmes de 23-24 ans,
Donc pour la plupart des jeunes femmes à 23-24 ans, le crush, c'est fini. C'est derrière, c'était une pratique culturelle de lycée, et puis on passe aux choses sérieuses, entre guillemets. À l'amour. À l'amour, au couple, voilà. Et on a des jeunes femmes de 23-24 ans qui, elles, continuent à avoir des crushs et qui, du coup, le vivent justement comme... elles me disaient même, oui, mais tu vois, là, je suis pas mature, en fait. Donc, comme s'il y avait une double peine, c'est-à-dire, elles souffrent du crush parce que elles disent, à un moment, deux d'entre elles ont des propos très fort où elles disent mais je sais plus qui je suis puisque quand j'aime je vais avoir un crush pour un tel je vais regarder ses goûts, il aime le rap, je vais me mettre à aimer le rap, et puis trois mois après j'ai un crush pour un autre, il aime Miyazaki, je me mets à aimer Miyazaki, mais moi je suis qui, voilà, qu'est-ce que j'aime moi? Donc il y a à la fois ça, donc cette perte un petit peu de qui je suis, et en plus double peine, elle se reproche à elle-même d'être encore dans le crush parce que c'est socialement considéré comme une pratique de petite fille, en fait. Voilà, Donc là, il y a l'idée quand même qu'il faut qu'il y ait la rencontre, l'engagement et le corps pour se retrouver quelque part. Sinon, c'était celle de dépersonnalisation. Voilà, celle de 23-24 ans, il y a quand même des rencontres, il y a quand même du corps. Hein. Parfois, là, elles ont une définition du crush qui est un peu plus extensive que les collégiennes ou les lycéennes. Mais c'est effectivement cette nécessité, mais qui est aussi une injonction sociale à dire, à un certain âge, il faut se fixer, en fait. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, donc, en tant que sociologue, c'est comment nos jeunes femmes d'aujourd'hui font avec à la fois l'héritage des normes qui leur sont transmises, qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est que l'amour, etc. Et puis toutes ces interrogations contemporaines, notamment portées par les best-sellers féministes, etc., sur ces normes, elles sont enfermantes, elles sont excluantes, etc. Et donc on a des jeunes femmes qui doivent composer un peu avec tout ça, et c'est un moment extrêmement intéressant, parce que c'est un moment où du coup l'interrogation permet peut-être de changer les modèles, d'ouvrir l'éventail des possibilités, etc. Bon, par rapport à la question des risques, je pense que Damien pensait aussi, ça c'est notre domaine un petit peu clinique, à des phénomènes peut-être un peu pathologiques que ces formes de stalkage peuvent produire. Et donc je voulais savoir si vous aviez rencontré dans votre enquête aussi, comme ça, des phénomènes un peu érotomaniaques ou à force, le problème de la lecture permanente des signes de l'autre, se met à délirer au bout d'un moment sur ce que l'autre nous veut et tout nous fait signe. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais tellement pouvoir travailler en interdisciplinarité avec justement des psychanalystes sur ce sujet-là. Alors moi, je l'ai vu avec mes outils de sociologue. Effectivement, une interprétation de signes, par exemple, il y en a une qui me dit, tu vois, un tel, il a donné deux bonbons, il avait un paquet de bonbons, puis à moi, il a donné un bonbon de plus qu'aux autres. Et là, elle me dit, c'est un signe qui ne trompe pas. Voilà, cette phrase, c'est un signe qui ne trompe pas. Et donc, il y a une mécanique comme ça d'aller repérer. Alors, l'eye contact aussi, le fameux eye contact. Donc, c'est, alors là, il m'a regardé, l'eye contact. Et c'est à la fois le but, elles me disent, c'est le but de toute la journée. Ça dit aussi de l'ennui, quand même, que nos jeunes éprouvent au lycée. Parce que moi, les jeunes filles, elles me disent, s'il n'y avait pas ça, mais qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Pourquoi on se lèverait, en fait? Pourquoi on se lèverait le matin pour aller au lycée? Et tout le but, c'est d'arriver à croiser l'autre et d'avoir un eye contact. Donc, voilà. Bon. Écoutez, merci beaucoup pour cette conversation passionnante et de nous avoir aidé à décrypter avec nous donc, les ressorts et les mystères donc, du crush. Et merci également à Daniela. C'est à présent l'heure de la rubrique « Actualité de la psychanalyse ». Bonsoir Emmanuel. Pour prolonger notre débat, tu vas intervenir sous le titre « Instant crush » et tu as choisi de commenter deux phrases de Lacan. Nous t'écoutons. Alors j'ai choisi deux passages d'un texte de Lacan qui s'intitule « Préface à l'éveil du printemps » qu'il écrit en
septembre 1974, qui est paru dans Les Autres Écrits en 2001, et que l'on trouve donc en préface de cette pièce L'éveil du printemps, qui est publiée en 1974. Cette pièce de théâtre a été écrite par Frank Wedekind entre l'automne 1890 et Pâques 1891, avec comme sous-titre « Tragédie enfantine ». Elle a été traduite par François Regnault et a fait l'objet d'un commentaire de Freud en 1907 lors d'une soirée de la Société psychanalytique du mercredi à Vienne. Alors la phrase de Lacan surtout qui m'a retenue, c'est la toute première de son texte. Il écrit « Ainsi un dramaturge aborde en 1891 l'affaire de ce qu'est pour les garçons de faire l'amour avec les filles, marquant qu'ils n'y songeraient pas sans l'éveil de leurs rêves. » Phrase poétique qui reprend un terme que l'on trouve sous la plume de Wedekind, celui du rêve des garçons. Des rêves qui précèdent l'agir, des rêves que l'on peut prolonger par la question du fantasme comme condition de faire l'amour aux filles. Et d'ailleurs, nous lirons tout à l'heure le rêve de Moritz, un des personnages de la pièce qui ouvre à ces questions sur son éveil du printemps. Alors la seconde phrase qui m'a intéressée, indique bien la période du dernier enseignement de Lacan, quand il l'écrit. Il dit que ce que Freud a repéré de ce qu'il appelle la sexualité fasse trou dans le réel, c'est ce qui se touche de ce que personne ne s'en tire en bien, on ne s'en soucie pas plus. Alors la dimension du ratage, du non-rapport sexuel, s'écrive là en plein. Alors, peux-tu nous donner quelques éléments sur cette pièce et pourquoi elle intéresse tant la psychanalyse? Alors oui, cette pièce, elle met en scène des adolescents qui vivent leurs premiers émois, qui se vivent aussi dans un nouveau corps. Trois personnages principaux, Wendla, qui demande à sa mère comment les enfants naissent, et sa mère de répondre, on doit, l'homme avec lequel on est marié, on doit l'aimer très fort, ce qui va amener un certain nombre de tracas, cette phrase. Melchior, jeune garçon impertinent, et qui lui est plutôt du côté de la vie. Et puis Moritz, figure moderne du nom dupe, pris dans le malheur d'être né et qui se tire une balle dans la tête. Alors, cette pièce intéresse les psychanalystes car elle traite des questions de la puberté, de l'éveil des pulsions sexuelles, et des questions agressives tout aussi bien. On pourrait dire quand même réveil plutôt, les pulsions ne naissent pas à la puberté, tout juste étaient-elles parfois un peu en sommeil. On ne peut pas reprendre ici tous les thèmes que cette pièce développe, notamment un point important qui est la parole des adultes qui s'occupent de ces adolescents, ou bien la mélancolie qui saisit certains garçons et certaines filles dans ce moment particulier. Mais j'attraperai un point qui a un rapport avec l'interview de Christine Détré sur le crush. Alors, quel lien ferais-tu entre cette pièce et le travail de notre invitée? Alors, un lien à la fois de proximité, quand même, et puis un rapport de contradiction. Alors, ce qui m'a semblé lier le crush contemporain et les émois des personnages de L'éveil du printemps, c'est la question du rêve et de la rêverie. Alors, ce qui m'a fait choisir cette première phrase de Lacan. Alors, je vous lis le rêve, ce récit très court du rêve de Moritz, qui précède, dans une discussion avec Melchior, son ami, ses questions sur l'acte sexuel. Un rêve très court, des jambes en bas bleu ciel qui montaient sur le pupitre. Pour être exact, j'ai seulement pensé qu'elles voulaient l'enjamber. Je les ai vues très furtivement. C'est un très beau rêve. Le désir sexuel est précédé d'un rêve, mais le crush s'en tient là dans sa définition stricte. Celle d'un objet électif auquel on pense, que l'on scrute, mais duquel on se tient à distance. Pour moi, le lien entre désir et crush s'arrête là. Le crush est l'envers de la rencontre, rencontre toujours manquée, mais rencontre entre deux inconscients, deux symptômes qui spécifient ce qu'est une rencontre amoureuse. Alors le crush, certes, se trouve allumé par l'objet fétichisé, un trait, un sourire, un brillant sur le nez peut-être, mais qu'ose-t-il le désir? Pas sûr. D'où le clin d'œil au titre des Daft Punk, l'instant crush, avec la temporalité de l'instant de voir propre au crush qui ne se laisse pas comprendre. Alors tu évoquais au départ une seconde phrase de Lacan. Que veut-il dire avec la sexualité qui fait trou dans le réel? Oui, alors c'est une grosse question.
On peut entendre dans ce passage très court de cette préface les 20 ans de son enseignement. Et peut-être pouvons-nous dire qu'avant le trou, il y a un trop. Le sexuel fait irruption et cet entrop de jouissance est de l'ordre de l'indicible. Et on voit dans la pièce de Wedekind que chaque protagoniste peine à trouver le mot, les mots, qui pourraient nommer l'acte ou le désir sexuel. Donc, ajoutons que ce trop fait trou, traumatisme, comme dit Lacan, trou dans le savoir concernant le sexe. Alors, cette phrase de Lacan indique vraiment le ratage de ce rapport sexuel qui n'existe pas. Il y a une absence d'harmonie, aussi, entre les sexes, et l'absence d'un savoir qui vaudrait pour tous. D'où les malentendus. Il est intéressant de noter que dans la pièce, deux des héros posent la question de savoir comment faire l'amour. Bon, Wendla demande comment naissent les enfants, mais Moritz, lui, pose directement cette question à son ami, qui décide de lui écrire et même de faire des schémas. Et d'ailleurs, c'est quelques feuillets qui sont retrouvés dans la chambre de Moritz après son suicide qui vaudront à Melchior d'être exclu du lycée. Pour Wendla, qui couche avec Melchior et qui tombe enceinte, le destin est aussi tragique, elle en meurt. Alors, Wedekind traduit là à l'extrême ce qu'il en est pour chacun de l'exil quant à la sexualité. Heureusement, tout ne tourne pas toujours aussi mal. Et peut-être qu'au fond, les adolescents qui cherchent et trouvent des crushs cherchent à éviter le crash qu'ils imaginent si un rapprochement des corps avait lieu. La rêverie et l'élection de la pulsion scopique sur toute autre pulsion pourrait être pensée comme façon de ne pas se confronter à la castration et au manque. Un tour est fait peut-être sur ce qui peut nous permettre de distinguer le crush du désir, qui lui est carrément affaire de manque. Et puis, il y avait la question de la pulsion aussi. Est-ce qu'il s'agit de pulsion ? Car le crush nourrit plutôt un imaginaire qui évite toute confrontation au désir de l'autre. Il peut virer à l'obsession, ou au contraire se multiplier à l'envi. Et on est là plutôt dans le registre du stade du miroir que de la pulsion et de son objet. Question. Quel intérêt dans la pratique avec les adolescents ? Il y a quand même une question d'entendre un signifiant nouveau qui revient quand même beaucoup dans l'écoute des adolescents. Et il peut être opportun quand même d'essayer d'entendre à la fois ce qu'il veut dire, de quoi il est le nom de manière un peu générale, on pourrait dire, et sociologique, comme nous invite à le faire le travail de Christine Détrait. On a donné aussi des pistes sur la différence désir et crush. Et puis surtout, dans la pratique, en tant qu'analyste, on s'étonnera toujours auprès de nos patients de ce que peut bien vouloir dire ce nouveau signifiant pour chacune et chacun. Même si on l'a déjà entendu, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Car à n'en pas douter, des variantes singulières donneront une coloration à ce qu'ils nomment « e-crush » et ouvrira un point de réel propre que ce signifiant ne pourra pas recouvrir, notamment sur la question de leur rapport à l'objet. Merci beaucoup Emmanuel pour cette chronique passionnante. C'est à présent la fin de notre émission. Merci de l'avoir regardée. Studio Lacan revient samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle émission. Mm.